Oui, c'est Laurent. Oui. Bonjour Laurent, je suis très contente que tu aies décroché. Je m'appelle Vanessa. Ouais. Je suis un petit peu stressée. Comment te dire ? Ne raccroche pas, d'accord ? Ma démarche est un petit peu particulière. En fait, je ne te connais pas personnellement. On s'est croisés il y a plutôt pas mal de temps. Voilà, lors d'un salon, en fait, je suis dans le même domaine que toi. Je suis dans le e-commerce, dans le digital aussi. Ah ok, d'accord. Voilà. D'accord, ouais. Donc je me permets de t'appeler pour savoir si ça te disait qu'on se rencontre. Voilà. Ouais, alors attends, juste. On a discuté ensemble ? Même pas. Ça s'est arrêté à bonjour, voilà, juste ça. Mais je sais qu'on a des connaissances en commun. Mais voilà, j'ai envie de te voir et j'ai envie de, voilà, de te montrer un petit peu qui je suis et ce que je peux faire. Et je pense que je peux te faire kiffer comme il faut. Ouais, bah. Accepte, s'il te plaît. Accepte, tu verras. Tu seras pas déçu. Ouais, mais je sais pas, moi, honnêtement, moi, je fais jamais ça. Enfin, il y a un début à tout, je te jure. C'est quoi on a qu'à se voir au pire, de toute façon. Ah, là, tu me plais. Je vais me faire mon kiff, hein, de toute façon, il n'y a pas de raison. Autant moi aussi me faire kiffer, comme, un peu comme elle, quoi, de toute manière. Et bah voilà, là, on y est. Je vais te faire bander, moi, mon petit. Voilà. Ta hit-up, elle sera dans ma hit-tush. De quoi ? T'as dit, je vais me faire kiffer comme elle. Ça veut dire quoi, ça ? Tu parlais de qui ? De moi ? Ah non, bah non, pas toi, non, t'inquiète pas, non, y'a rien. Non, c'est autre chose. J'étais plus dans mes pensées, j'ai pensé fort, si tu veux, donc... Mais tu parlais de ta meuf ? T'as dit quoi ? C'est personnel, peut-être, hein, je suis désolée, mais tu parlais de ta meuf ? Non, je veux pas... Ouais, enfin, oui, je parlais d'elle, mais bref, c'est rien du tout. Non, juste, j'étais en train de penser à ça, parce que bon, elle aussi, elle m'a déjà trompé, du coup... Ah, t'as trompé ta meuf ? Ah ouais, bah alors, de quoi tu te prends la tête ? On se voit ? Ouais, mais moi, parce que t'as moi, pas d'excuses, là ? Oui, bah, ouais, non, c'est jamais... Enfin, pas parce qu'elle, elle l'a fait qu'il faut forcément que je le fasse. Ah bah si, là, t'as pas d'excuses. Si elle l'a fait, t'es obligé, quoi. Ouais, bon, vas-y. Et ta teub, elle est comment, sinon ? En termes de centimètres, par exemple. Bien. Elle est bien ou elle est... Non, elle est bien. Elle est bien. 17, non, après 18 tout, après tout, je m'en fous, quoi. Non, bah... je l'ai pas mesuré concrètement. Oh, mais tous bien, les mecs l'ont bien. Mesuré. Ouais, mais c'était à 10 ans, ça va. Si je l'ai dans ma bouche un jour, j'aimerais savoir combien, je suis désolée. Ah bah, tu pourras pas la prendre en entier. Ah bah là on se comprend. Là, on voilà, se comprend. Ça, c'est sûr. Là, c'est sûr. Bon, alors là... Donc, là, je vais pas en enfer. Hein, ah, bah, parce qu'il y a eu tromperie, je suis désolée. On va la prendre en entier, prétendu. Ouais, Gabriella, c'est ouais. À toi, ma belle. Allô, chérie. Oh, chérie. Oh, allô, mon cœur. Mon cœur, mon cœur, ouais. Mon cœur, quand même. Ouais. Ça va ? Ouais. Tu sens le mec se décomposer. C'est quoi cette histoire que je t'ai trompée ? De quoi ? Cette histoire que je t'ai trompé. Bah, je sais pas, c'est plutôt toi de m'expliquer cette histoire, du coup. Bah, je comprends pas de quoi tu parles, hein. Bah, écoute, je sais pas, regardons ton téléphone, tu comprendras plus vite. Ah, il a grillé. Tu nous as pas tout dit, Gabriella ? Merde. Parce que c'est quoi ce délire, là ? Il se passe quoi, là ? Non, c'est on n'est pas là, on n'est pas là. Attends, comment ça se fait que tu m'appelles ? Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone ? Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone ? Oh, c'est quoi ce bordel ? Il y a quoi dans le téléphone ? Bah, je sais pas, c'est qui cette fille ? Déjà, il y a un mec, enfin, c'est quoi tous ces gens-là qui parlent en même temps que quelqu'un d'autre ? Le tribunal de la tromperie. Oui, bonjour, monsieur. Mais vous êtes qui ? Non, mais il y a quoi dans le téléphone ? Il y a quoi dans le téléphone ? Ah bah il y a quoi dans son téléphone elle ? Oui ! J'ai vu des putains de textos de merde. Du genre ? Bah du genre des textos que j'aurais pas dû voir, que j'aurais pas aimé voir et que je voulais pas du tout voir. Des textos d'un mec avec qui elle m'a trompé, putain. Arrêtez de poser des genres de questions, c'est déjà assez difficile de savoir genre. Gabriella ! Tu nous as pas tout dit. Oui ? C'est qui lui ? Le texto là ? Non, t'as pas fait ça. C'est un collègue de travail. Oh ah
La coquine. Soit c'est gonflé. On t'appelle pour qu'on teste ton mec et tu le trompes. Elle est magique, oui. Alors, j'ai des doutes, il est plus distant. Alors que moi je me suis fait niquer toute l'après-midi, je suis encore en forme le soir. C'est incroyable. Oh, c'est magique. Vous êtes qui vous tous là? Ah bonjour, alors nous sommes 5. Il y a John, Fitz, Gérald, Ken et Eddie. John, Fitzgerald, Kennedy. Voilà. On est... elle fait encore marrer cette vanne. Comme quoi, faut en avoir qu'une de vanne. Je sais pas pourquoi on se fait chier tous les soirs à faire une émission différente. Faut faire la même. C'est l'équipe de Coé, Laurent. Eh oui, salut. Eh ouais, et très discrètement sur énergie. Donc, t'es... Putain, ta meuf a testé... Je suis sur énergie, là. Ouais, salut. Et ta meuf a testé ta fidélité. Mais t'es vraiment cinglé, Gabriella, putain. Mais n'importe quoi. Gabriella... Gabriella, mais Gabriella, Gabriella, comment tu peux trouver ton mec distant alors que toi-même t'as niqué avec un collègue de bureau? Mais c'était une erreur. C'est toi l'erreur, connasse. De me faire appeler pour que qu'une meuf me drague et alors que toi tu te fais sauter sans problème. C'est vraiment une putain de salope, franchement, tu me dégoûtes quoi. On va peut-être les laisser, non? Non, mais ça me gêne un peu. Ouais, c'est gênant, je suis désolé. Mais c'est gênant. Tu as niqué qu'une fois ton collègue ou ça y en a eu plusieurs? Oui, c'était qu'une fois, c'était une erreur. Bah, c'était la pas trop, connasse, salope. Ça y est, le mec, il s'en lâche. Mais attends, mais c'était au bureau ou c'était... Vous avez peut-être pris un autre? Je veux pas savoir. Laissez-moi tranquille. C'est le tribunal. On a dit faut clore cette histoire. C'était là. In the street. C'était ça. Mais j'en ai rien à foutre que ce soit In the street n'importe où. Je m'en bats les couilles. Je veux juste pas savoir.